En septembre 2021, Mathieu, candidat incontournable de la saison 15 de L'Amour est dans le Pré, avait annoncé une grande nouvelle à ses fans. Il avait en effet révélé qu'il avait commencé une procédure de gestation pour autrui, GPA. Depuis, l'influenceur, qui a souffert de sa séparation avec Alexandre, raconte sur Instagram son combat pour connaître les joies de la parentalité. Dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram, ce lundi 19 juin, l'ex-star du programme de dating champêtre a indiqué qu'il touchait enfin au but. Je suis tellement heureux ce soir de vous annoncer que la grossesse commencera cet été. J'ai appris la nouvelle très récemment, le temps de la digérer, d'en être sûr, a-t-il confié, soulagé. Malgré l'excitation, Mathieu devra patienter encore quelques semaines avant de rentrer dans le vif du sujet de cette GPA. On ne sait pas si ça sera juillet, ou, mais en tout cas, la grossesse débutera cet été, a-t-il ajouté, avant de poursuivre, je vous le ferai suivre parce qu'il faut parler des choses et si est-ce en parlant qu'on en fera quelque chose de normal. Je suis très heureux d'être un futur papa. Et si l'ancien compagnon d'Alexandre semble aussi apaisé, c'est aussi parce qu'il a connu de nombreux échecs lors des précédentes tentatives. Après tous ces mois de galère, un énorme soleil se lève. Bien sûr, le chemin va être encore long, mais j'ai foi en mon chemin, a-t-il écrit en légende de sa publication. L'amour est dans le pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18. Super bonne nouvelle, on croise les doigts sans surprise, l'annonce de Mathieu a fait sensation sur les réseaux sociaux. En témoignent les nombreux commentaires laissés par des internautes impatients de découvrir la suite. Super bonne nouvelle, on croise les doigts, a ainsi écrit un utilisateur du célèbre réseau social, tandis qu'un autre a partagé, oh super nouvelle, bonheur bien mérité. On retrouve d'autres messages de félicitations tels que tellement contente pour vous, tu le mérites. Plein de bonheur ou encore quel plaisir de lire cette bonne nouvelle après ces longs mois en dents de scie. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cédric Perrin.